Bonjour, bonjour frères et sœurs, bonjour à tous. Donc on va pas être très long ce soir. On va essayer quand même se laisser conduire, mais je pense pas que nous serons forcément longs. En tout cas, pour partager en fait la pensée que j'ai reçue sur le titre que vous avez pu voir. Pourquoi le chrétien ne se responsabilise pas? Où sont les ministères de la Bible? Et notre héritage, c'est voilà, quel est l'héritage que nous laissons pour voilà pour nos frères et sœurs, l'héritage que nous laissons parce que nous sommes des flambeaux dans ce monde et nous devons marquer notre génération et l'héritage que nous avons hérité aussi des serviteurs du Seigneur comme dans la Bible, et ben c'est la parole en fait en vérité, c'est leur témoignage, la vie qu'ils ont menée avec le Seigneur. On voit la foi qu'ils ont eue, tout ça. Et aussi, c'est un témoignage pour nous aujourd'hui de voir la vie de Daniel, la vie de Moïse, la vie avec le Seigneur de tous ses serviteurs. Ce sont des témoignages pour nous et c'est magnifique. C'est magnifique. En tout cas, je bénis le Seigneur pour ce partage, papa. Aide-nous, Seigneur. Père, Seigneur, donne ta pensée, papa, au nom de Yéhoshua de Nazareth. Donc, le Seigneur est fidèle. Il est vraiment fidèle et je crois qu'il va nous édifier à travers ce partage. Voilà, t'encourager, frères et sœurs, encourager les chrétiens. Et donc, la parole dit que le Seigneur est venu pour ouvrir les yeux des aveugles, libérer les captifs. Il est venu accomplir une mission glorieuse. De par son passage sur la terre, il est venu nous sauver, nous délivrer, voilà, nous emmener vers le vert pâturage, et afin que nous puissions suivre le bon berger, qui est simplement Yeshua de Nazareth. Donc, il est fidèle. Et donc, je vais prendre un passage pour commencer, voilà. Donc, vous avez pu voir le titre, hein, « Pourquoi le chrétien ne se responsabilise pas ?» Ensuite, on va parler par rapport au ministère de la Bible et ensuite l'héritage. Et on va parler par rapport à « Pourquoi le chrétien ne se responsabilise pas ?» Je bénis le Seigneur quand même pour le travail qu'il fait dans les nations, dans ses enfants. On réalise de plus en plus que le Seigneur donne le même message à ses enfants, à savoir de le suivre en fait en vérité, d'être conduit par son esprit tout simplement, et non être conduit par notre chair, non être conduit par nous-mêmes, mais être conduit par le Saint-Esprit. Et c'est magnifique de voir que le Seigneur communique le même message à d'autres frères et sœurs qui reçoivent les mêmes choses que nous recevons et qu'on ne connaît même pas, qui sont dans les nations, on ne les connaît pas. Et on est choqué de voir que c'est le même esprit, le même message, la même pensée que le Seigneur donne à son Église, à savoir venir vers lui, frères et sœurs, et de sortir du système religieux, de sortir de nos traditions, de sortir de notre fonctionnement, en fait, en vérité. Que nous voyons dans le milieu chrétien, et le Seigneur est en train de donner ce message à son Église pour que nous puissions nous réveiller, frères et sœurs, et que nous puissions, frères et sœurs, vivre l'Évangile véritable. Alléluia. Le vrai Évangile, mes amis. L'Évangile que nous lisons, l'Évangile qui nous a été donné, notre héritage au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Et on va prendre un passage dans 1 Samuel 8, verset 1er. Et il arriva que lorsque Shemuel, fut devenu vieux, il établit ses fils pour juges sur Israël. Le nom de son fils premier était Yoël, et le nom de son second, Abia. Il jugeait à Beersheba, mais ses fils ne marchèrent pas dans ses voies. Ils s'en détournèrent pour les profits acquis par la violence. Il recevait des pots de vin et pervertissait. Il recevait des pots de vin et pervertissait la justice. Donc,
Bon, voilà, on voit par là que lorsqu'on sort des pots de vin, eh bien, on pervertit forcément la justice. Ça, c'est un partage que le Seigneur m'avait donné il y a quelques semaines. Donc voilà. C'est pourquoi tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Samuel, Shemuel. Voilà, je suis dans la version BJC, Bible de Jésus-Christ, pour ceux qui nous suivent. Il y a plusieurs versions. Voilà, il y a plusieurs versions. Voilà, on a été sauvés par la. Comment dire? Et par la, des, voilà, des versions voilà, que des hommes ont réécrit. Et là, c'est la version BJC. Donc, si tu voilà, si tu as une autre version, t'inquiète pas, tu es sauvé quand même. D'accord? Donc, en fait, c'est la parole du Seigneur, en fait, en vérité. Donc, c'est la parole du Seigneur qui nous sauve. Donc voilà, dans Yeshua. Voilà. C'est pourquoi tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici, tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Maintenant, établissons-nous un roi pour nous juger comme toutes les nations. Et on voit par là qu'il dit, voici, tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas dans tes voies. On voit par là que nous, en tant qu'enfants du Seigneur, nous devons laisser, l'héritage, hein, c'est la parole en vérité, marcher selon la parole, afin que d'autres chrétiens demain puissent marcher selon la parole, parce que la parole nous dit que aussi dans la parole nous dit que nous sommes imitateurs du Seigneur. En fait, nous devons imiter le Seigneur, voilà, Yeshua, afin que d'autres aussi imitent Yeshua de Nazareth. Vous voyez, frères et sœurs, de par notre justice, de par l'amour que nous avons pour le Seigneur, de par la foi que nous avons, etc. Eh ben, d'autres en fait vont vouloir en fait vivre le Seigneur. Voilà, parce que nous imitons la parole du Seigneur, nous imitons Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs, afin que, voilà, que d'autres chrétiens puissent suivre cette voie-là. On en Yeshua. Nous sommes des lumières, nous sommes des témoignages. Donc en fait, il ne faut pas qu'on oublie que nous ne marchons pas pour nous-mêmes. Nous marchons pour être sauvés, c'est vrai, mais nous marchons aussi aux yeux de tout le monde, aux yeux des nations, aux yeux des hommes, afin qu'ils voient Jésus-Christ à travers nous, pour qu'il soit sauvé. Parce que le plus important pour un chrétien, ce n'est pas de prêcher forcément, prêcher. En fait, c'est le témoignage, frères et sœurs, ton langage, ton comportement, la façon d'agir, la façon de faire les choses, ton humilité. En fait, c'est tout ça en fait, qui va faire que des gens seront touchés, frères et sœurs. Parce qu'on peut beau prêcher. Mon ami, ce n'est pas ce qui va sauver les hommes, premièrement, je dirais. C'est aussi le témoignage qui va derrière aussi avec, vous comprenez? Parce que le témoignage du Seigneur qui est derrière va forcément apporter la vie dans la prédication. Lorsqu'on va prêcher, il y aura un impact, frères et sœurs. Il y aura la vie qui va émaner de la parole que nous allons prêcher, frères et sœurs. Parce qu'il y a la vie, frères et sœurs, qui est derrière, mes amis. La vie. Alléluia. Être chrétien, c'est la vie. Vous voyez, frères, c'est pas de prêcher, etc. C'est la vie, mes amis. Vous comprenez, frères et sœurs? Un chrétien ne va pas inciter d'autres à mentir, frères et sœurs, à faire des fausses déclarations, mes amis, et se dire chrétien. Ce n'est pas ça être chrétien, mes amis. Un chrétien ne peut pas pousser un autre chrétien à faire des fausses, frères et sœurs, des déclarations, mes amis, voyez, et aller prêcher la Bible. Voyez, ce n'est pas ça être chrétien. Voyez, frères et sœurs, on a une chose de Nazareth, mes amis. Un chrétien doit pousser l'autre à vivre dans la justice. Un chrétien doit pousser ses frères et sœurs, comment dire, à pratiquer la parole, mes amis. Quelqu'un qui t'incite à mentir, mes amis, qui t'incite à faire des fausses déclarations, je te dis la vérité, il faut fuir cette personne. C'est pas un chrétien, ça. Vous comprenez? Alléluia, frères et sœurs. Vous comprenez? Un chrétien qui te pousse à faire des fausses déclarations, à faire des magouilles, mes amis, c'est pas un chrétien, c'est un faux chrétien. En plus, on a parlé de l'autre fois de faux chrétien, vrai chrétien. Vous voyez, frères et sœurs? Donc voilà, mes amis, frères et sœurs, il faut te réveiller, frères et sœurs. Ne te laisse pas embrigader dans des choses comme ça. Oui, des fausses déclarations, des magouilles, tout ça. Mon ami, si un prédicateur te fait faire des magouilles, frères et sœurs, des fausses déclarations, mon ami, ce n'est pas la Bible. C'est la Bible qui prime. Ce n'est pas la parole de ce frère qui va primer. Vous voyez? C'est l'évangile qui prime, mes amis. Et c'est là où le Seigneur veut nous amener, frères et sœurs. C'est de faire primer sa parole dans nos vies. Sa parole qui doit primer dans nos cœurs, mes amis. Et non les dires des uns et des autres qui n'est pas fondé sur la parole. Tout ce qui n'est pas fondé sur la parole,
il faut que tu le rejettes, frère et sœur. Tu comprends? Il faut que tu le rejettes, frère et sœur, parce que ben, le Seigneur va te juger, toi, par rapport aux actes que tu as posés. Tu comprends? Alléluia. Et au verset 5, 1 Samuel, toujours 1 Samuel 8, verset 5, il lui dit, voici, tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme les nations, comme toutes les nations. Donc en fait, voilà mes amis, frères et sœurs, c'est compliqué hein, ce qu'on dit là. Donc Israël la demande il dit à Samuel, en gros, d'établir sur nous un roi pour juger comme toutes les nations. Frères et sœurs, c'est grave ce qu'on nous disons là. En fait, c'est l'image aujourd'hui de notre chrétienté, mes amis, frères et sœurs, qui ressemble, comment dire, au monde. Vous voyez, un système, le système pyramidal. Aujourd'hui, notre chrétienté, frères et sœurs, est aujourd'hui mise en place comme le monde. Vous voyez, les chrétiens ont voulu que l'œuvre chrétienne fonctionne comme le monde. C'est exactement ce que nous lisons là. C'est la même chose, mes amis. Établis sur nous un roi. Donc, beaucoup de chrétiens demandent à ce que des rois soient établis sur eux, que des dirigeants soient établis sur eux. Vous voyez, frères et sœurs, qui vont lire la Bible pour eux, qui vont leur dire comment faire l'œuvre du Seigneur, qui vont leur dire comment prêcher, qui vont leur dire en fait, ils vont les tenir, comment dire, à la laisse pendant toute leur marche chrétienne, mes amis. Oh Seigneur, papa. Voilà dans quoi aujourd'hui notre chrétienté est tombée, mes amis. Des chrétiens ont décidé, ont laissé, ont désiré, que des rois règnent sur eux, que des pasteurs règnent sur eux, que des dirigeants règnent sur leur vie, mes amis. Oui, frères et sœurs. Bâtissant les mêmes œuvres que le monde, un système pyramidal, et on le voit aujourd'hui clairement dans notre chrétienté, le système pyramidal, on voit l'homme au-dessus et le peuple qui est en dessous, le peuple qui est comme amnésique, le peuple qui est comme sans parole, le peuple qui est comme, comment dire, qui a été, il y a comme un, comment ça s'appelle ça là, comme un lavage de cerveau, mes amis, qui a été donné au peuple. Et le peuple ne sait plus qu'il est sauvé par Jésus-Christ. Il ne sait plus que Jésus l'appelle aussi à aller dans les nations. Comme il est écrit dans Matthieu 28, le Seigneur dit quoi? Allez et faites des nations des disciples. Les chrétiens ont oublié leur mission première, frères et sœurs, à savoir de faire des nations des disciples. Beaucoup de chrétiens, je ne dis pas tous, mais beaucoup de chrétiens, ne connaissent pas la mission pour laquelle ils ont été appelés par le Seigneur. Ils pensent qu'ils ont été appelés pour suivre les églises, suivre tout ce qui est dit dans les églises et ne pas répondre eux-mêmes à l'appel, à la voix du Seigneur. On va lire tout à l'heure tout ça par rapport à la voix, c'est important. Vous voyez, frères et sœurs, c'est grave. Hein? Un système pyramidal, on voit la pyramide dans le monde, on le voit. Il y a l'homme au-dessus et le peuple en dessous. Vous voyez, frères et sœurs, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. L'homme est au-dessus, ou la femme, parce qu'il y a des femmes aussi pasteurs aujourd'hui, frères et sœurs, qui imposent les mains aux hommes, tout ça. Donc, on voit au-dessus l'homme ou une femme, et en dessous le peuple qui est là, qui ne savent pas à quoi le Seigneur les appelle, qui ne se responsabilisent pas, ils veulent qu'on prie pour eux. Voilà, ils sont malades, ils veulent que quelqu'un prie pour eux. Ils mettent leur confiance sur les dirigeants, ils mettent leur confiance sur ceux qui dirigent l'église. Mais eux-mêmes ont oublié qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'ils sont aussi prêtres, qu'ils sont aussi amenés à faire le service, à servir le Seigneur. Ils sont, frères et sœurs, devenus esclaves, mes amis, frères et sœurs, et ne suivent pas le Seigneur. Ils pensent suivre le Seigneur, mais en vérité, ils suivent, le système humain. Ils suivent la religion. Ils suivent, frères et sœurs, tout, mais sauf la parole, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Ils ne peuvent pas défendre la parole. Vous voyez, frères et sœurs? Un chrétien doit défendre l'évangile du Seigneur. Doit être capable de défendre la parole de Jésus-Christ, mes amis. Voilà le chrétien véritable.
voyez, frères et sœurs, la parole n'a pas été donnée pour un groupe spécifique, à une élite spécifique. La parole nous a été donnée pour que nous puissions aussi la connaître, mes amis, et la défendre. Voyez, frères et sœurs, pour ne pas être trompé. Voyez. Donc, on voit par là que Israël a demandé qu'un roi règne sur eux, mes amis. Qui règne sur toi, mon frère, ma sœur? Toi, quand tu as ce message, qui règne sur ta vie? Réellement, mes amis, pose-toi la question, réponds dans ton cœur. Qui règne sur ta vie? Moi? Tes parents? L'homme? Qui? Je refuse de régner sur toi déjà, premièrement, dans Yeshua. Ne dis pas que oui, c'est, je suis des enseignements que le frère Hervé Cabrera donne. C'est lui qui, c'est lui mon berger, c'est lui mon ami. Je ne suis pas ton berger. Oui, frère et soeur. Ok, ça peut édifier, le Seigneur peut donner des messages pour édifier. Mais sache que je ne suis pas ton berger. En fait, ce que tu entends là, c'est pour que tu puisses aller vers Jésus, mes amis. Vrai, frères et sœurs, aller vers le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je vais aussi témoigner aussi de ce que le Seigneur fait aussi, frères et sœurs, qui est encourageant. Et voilà pourquoi il est important d'écouter la voix du Seigneur. Et on va prendre tout à l'heure le passage par rapport à Élie et Samuel. Et on voit par là que c'est important d'écouter la voix du Seigneur parce qu'il a une mission à accomplir avec toi, ma soeur, mon frère. Voyez. Et depuis que nous allons en mission aux Antilles, vous avez pu voir sur nos réseaux, voilà, depuis 2019 que le Seigneur nous emmène à aller en mission ben, chez nous, hein, là où nous avons grandi, en Guadeloupe, enfin dans les îles, hein, voilà, en Martinique, les Antilles. Et donc depuis que le Seigneur permet qu'on aille là-bas, il s'est passé des choses terribles, frères et sœurs, dans le cœur de beaucoup de nos frères et sœurs qui se sont levés pour travailler, frères et sœurs. Et c'est ça qui nous encourage. Quand on voit Radio de Jésus-Christ, Unité Caraïbes, CJM, voilà, avec nos frères et sœurs qui se lèvent, on s'est rendu compte que quand on est parti en mission là-bas, frères et sœurs, nos frères et sœurs étaient là. Voilà, ils étaient dans les programmes que le Seigneur nous a demandé de faire. Et les frères et sœurs pensaient que c'était nous qui allons venir apporter la parole. Frère, on les a dit non, vous aussi vous devez travailler. Vous aussi vous devez prêcher. Vous aussi vous devez chanter. Frères et sœurs, ils étaient choqués. Et depuis, frère, en fait, le Seigneur nous a permis quoi de faire ça? Pourquoi? Pour qu'ils réalisent qu'ils sont aussi appelés. Alléluia. Qu'ils ont aussi reçu des talents et des dons qui vont édifier le peuple, qui vont édifier. Frères et sœurs, qui vont nous édifier parce que nous aussi on a besoin d'édifier. Ok, le Seigneur nous envoie en mission pour faire son œuvre, mais en retour aussi, on a besoin aussi d'être édifié. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à chanter, prêcher, frères et sœurs. Et depuis là, frères et sœurs, ben là, ils se sont levés depuis. Et ils vont en mission sur les îles. Là, dernièrement, il y avait une mission. Nos sœurs se lèvent, même des sœurs qui se lèvent pour leur mission sur les îles, qui se lèvent pour l'évangéliser, qui se lèvent pour travailler. Quand je vois frères et sœurs, l'équipe de Unité Caraïbes, voilà, qui se lèvent pour travailler, faire l'œuvre du Seigneur. En fait, ils font les choses en consultant le Saint-Esprit, en consultant le Seigneur. Et ils ne s'appuient pas sur nous. Et c'est ce qui est magnifique. Et c'est ce que le Seigneur veut, c'est qu'il veut que les chrétiens se responsabilisent, mes amis. Mes frères et sœurs. Voilà pourquoi si quelqu'un veut, comment dire, que tu sois établi sur elle ou établi sur lui, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons l'amener à se responsabiliser. À qu'il comprenne que Jésus est là pour lui. Que Jésus doit régner sur lui. Que Jésus est plus grand que nous. Voilà pourquoi Jean-Baptiste disait qu'il faut que je diminue et qu'il croisse. Alléluia. Dans la vie, devant nos frères et sœurs, dans nos réunions, toutes ces choses, nous devons diminuer et que le Seigneur croisse. Même si on a été établi pour faire telle ou telle œuvre, on doit diminuer et que nos frères et sœurs voient Jésus pour qu'ils réalisent aussi qu'ils doivent aller vers Jésus, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs, on doit refuser d'être un roi pour nos frères et sœurs, refuser que nous soyons des rois, frères et sœurs, pour nos frères et sœurs, mais qu'ils réalisent que nous sommes leurs frères, que nous sommes faits d'os, et de chair et d'os comme eux. Vous voyez, frères et sœurs, alléluia. Et c'est ce qui va encourager les chrétiens à se responsabiliser. Voyez, nous ne devons pas, il ne faut pas que le chrétien pense qu'il faut que nous soyons là pour lui matin, midi et soir, matin, midi et soir, matin, midi et soir.
il faut qu'il sache que lui aussi, il doit aller vers Jésus. Et malheureusement, dans notre génération, dans notre chrétienté, ce qui se passe, c'est que ben, beaucoup de chrétiens ont voulu voilà, un roi. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup sont dépouillés. Beaucoup ne savent même pas à quoi ils sont appelés. Frères et sœurs, vous comprenez? Mes frères et sœurs, beaucoup de chrétiens ne savent pas à quoi ils sont appelés. Ils ne savent pas à quoi le Seigneur les appelle depuis des années. Des années, frères et sœurs, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que ben, beaucoup de chrétiens ont laissé les rois régner sur eux, mes amis. Voyez? Ont laissé les rois régner sur leur vie et ils n'ont pas pu répondre à l'appel du Seigneur, répondre à la voix du Seigneur et ne savent plus quoi. En fait, ils ont la voix du Seigneur pour eux est étrangère. Voilà pourquoi ils vont parler que de leur pasteur, ils vont parler que de leur église, ils vont parler que de leur siège d'église, ils vont parler qu'il faut donner l'argent, ils vont parler que de ces choses, frères et sœurs. Voyez mes amis, très peu de chrétiens glorifient Jésus, très peu de chrétiens glorifient le roi des rois, mes amis. Ils ne sont pas responsables, voyez frères et sœurs. Beaucoup de chrétiens n'ont jamais prié pour même chasser un démon, alors que le Seigneur dit, voici les miracles accompagnant ceux qui auront cru. Voyez, c'est devenu comme un conte de fées la parole, alors qu'elle doit être vécue, elle doit être vécue pour, par nous, enfants du Seigneur. Voyez mes amis. Voyez. On ne t'a jamais dit que toi tu peux prier pour les malades. On ne t'a jamais dit que toi tu peux prêcher dans ton mariage. On ne t'a jamais dit que tu peux prier pour ta famille. On t'a jamais dit que toi aussi tu peux, évangéliser, tu vois. Tu as été, beaucoup de chrétiens ont été, frères et sœurs, muselés, mes amis, muselés, et ont perdu la voix, n'ont plus de voix. Ils n'ont plus de voix. Vous voyez, frères et sœurs, ils n'ont plus de voix, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs. Comment se fait-il que ça fait 15 ans que tu es converti, tu n'as jamais prié, ne serait-ce pour chasser, chasser un démon. Tu es devenu rare, mes amis, de voir ces choses. Rare de voir des chrétiens se lever, prier, des chrétiens sortir, évangéliser. Et ne me dites pas que je dis qu'il faut aller forcément crier comme nous on peut faire. Mais un chrétien qui sort et qui va voir au moins 40 personnes en une journée, il leur parle du Seigneur, tout ça. Même un à un, où je ne sais pas comment le Seigneur va conduire, comme nous on fait aussi, ça on le fait aussi. Dans la rue, des fois on arrête des gens, on leur parle. Vous voyez, des fois on met des vidéos, on crie, etc. Même des fois, vous voyez, on peut parler aussi à des gens. Mais dans la vie de tous les jours, on peut arrêter quelqu'un, on peut lui parler. Le feu descend et on bombarde la parole. Vous voyez, frères et sœurs? Tous les moyens sont bons pour évangéliser. Tous les moyens que le Seigneur va nous donner, voilà, sont bons pour évangéliser. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, toi, chrétien, ma sœur, en fait, on n'est pas à l'époque de Moïse où il faut qu'un roi règne sur nous. Un roi règne sur toi. Tu comprends, frère et sœur? C'est le Seigneur qui doit régner sur nos vies, mes amis. Oui, frère et sœur. Voilà pourquoi aujourd'hui, les chrétiens passent plus de temps dans l'église qu'ils sont chez eux, qu'ils sont avec le Seigneur, qu'ils sont dans les rues évangélisées. Ils passent plus de temps chaque année. Ça fait 10 ans que tu es dans la même chaise, la même église, le même endroit. Frère et sœur, tu n'as jamais, été en mission. Tu comprends, frère et sœur? Il faut qu'on t'envoie mission. Et il y a des chrétiens, ils attendent qu'on leur dise quoi faire. Qu'ils attendent qu'on leur dise où aller prier. Qu'on leur dise, oh, il faut aller en mission ici. Qu'on leur dise, mon ami, qu'est-ce que le Seigneur te dit personnellement, mes amis, là, dans ton cœur? Parce que tu es sa brebis et il veut t'envoyer quelque part. Il veut te parler. Il a une mission pour toi. Mais qu'est-ce que tu fais depuis toutes ces années, mon frère, ma soeur? Vous me direz, oui, mais il ne faut pas courir après. Il faut laisser le temps au Seigneur. Frère, ça fait 20 ans que tu es converti. 20 ans que tu es converti, mon frère, ma soeur. Même au bout de 3 ans, tu dois savoir déjà, je suis désolé. Quand on se convertit, le Seigneur, il parle à ses enfants. Moi, je me rappelle, ça fait 12 ans que je me suis converti par la grâce du Seigneur. Dès les premiers mois, c'était déjà compliqué, frère. Il commençait déjà à me secouer, tout ça, me parler. Sanctification, la parole, la vérité, tout ça. Frère, en fait, sa parole nous enracine. Vous comprenez, frère et sœur? Sa parole nous enracine dans la vérité. Sa parole nous fait grandir.
Et en fait, quand tu es attaché au Seigneur, tu vas répondre à son appel. Tu vas répondre à sa mission. Tu vas faire ce qu'il va te demander parce que tu es attaché à lui. Parce que tu le laisses dominer sur ta vie. Parce que tu es amoureuse de lui. Tu es amoureux de lui. Donc, tu vas écouter sa voix, mes amis. Alléluia. Et c'est ce qu'il veut dans cette génération. Il veut que son peuple écoute sa voix. Parce que le champ est grand, frères et sœurs. Mais beaucoup de chrétiens veulent que des hommes règnent sur eux. Que des rois règnent sur eux. Mes amis, on doit sortir de ce fonctionnement, mes amis. Et revenir. À l'évangile que Pierre, que Paul, que Jacques, l'évangile véritable, mes amis. Alléluia, frères et sœurs. Alléluia. Qu'est-ce qu'il te dit? Tu dois te responsabiliser, frères et sœurs, chrétiens. Tu dois te responsabiliser. Tu dois être un chrétien responsable. Ce n'est pas à nous de prier pour toi. Oui, on doit prier les uns pour les autres, il n'y a pas de problème. Mais tu dois prier aussi. Tu dois aussi, comment dire, te sanctifier. Te mettre à part pour le Seigneur. Tu comprends? Si le Seigneur te dit de faire ça, ben, faut le faire. Ne fais pas autre chose que le Seigneur te dit de faire. Parce que tu auras des comptes à rendre au Seigneur, mes amis. Tu comprends, frère et soeur? Alléluia. Waouh. Ne laisse personne régner sur toi. Tu comprends? Aucun homme, aucun pasteur, aucune église, personne ne doit régner sur ta vie. Vous voyez, frère et soeur? C'est Jésus. Yeshua de Nazareth qui doit régner sur ta vie, mon ami. Jésus. Et s'il règne sur ta vie, frère et soeur, je te dis la vérité, il y aura un impact terrible dans ta famille. Un impact terrible autour de toi. Un impact terrible. Mais si tu ne laisses pas le Seigneur régner sur toi, mon ami, je te dis la vérité, tu vas mener une vie chrétienne fade. Qu'est-ce que tu as vécu avec le Seigneur? Pose-toi la question. Posons-nous la question. Qu'avons-nous vécu avec le Seigneur, mes amis? Personnellement, ne dis pas, ne témoigne pas pour moi. Oh, parce qu'il y a des chrétiens, ils parlent des témoignages des autres. Oh, tel frère, oh, telle sœur a vécu ça. Mais toi, tu as vécu quoi, toi? Qu'est-ce que tu as vécu? Frère et sœur, il est temps qu'on se pose des bonnes questions. Tu es chrétien, mais est-ce que tu vis ce qui est écrit? Qu'as-tu vécu avec Jésus? Qu'as-tu vécu avec la parole du Seigneur? Qu'as-tu vécu avec le roi des rois, frères et sœurs? Alléluia. Vous voyez? Parce que quel témoignage vas-tu donner aux païens, aux inconvertis? Qu'est-ce que tu leur diras de Jésus? Viens dans mon église, viens voir mon pasteur. Viens, il y a un programme. C'est ça que tu vas prêcher, mes amis. Vous ne voyez pas comment il y a un problème, frères et sœurs? Tellement que des chrétiens, que des rois règnent sur les chrétiens, eh bien, eux-mêmes, le seul message qu'ils vont annoncer aux inconvertis, mon église est dans telle adresse. Mon église se trouve ici. Frère, et on met en place des systèmes et des systèmes, des systèmes, des systèmes qui n'en finissent pas dimanche après dimanche. Et j'ai béni le frère que. Il y a une vidéo qu'on a partagée d'un frère là qui prêchait exactement. Ça nous a tellement encouragé, frère. On s'est dit, mais c'est la parole du Seigneur. Donc beaucoup de chrétiens sont en train de réaliser que le fonctionnement des églises, le fonctionnement de la. Selon la. Qu'on voit aujourd'hui de la chrétienté, mais en fait, ça devient ennuyant. Il n'y a pas Jésus, mes amis. Dimanche après dimanche, c'est les mêmes programmes. Dimanche après dimanche, c'est les mêmes prédications. Dimanche après dimanche, on sait qu'il va prêcher. On sait qu'il va. Mon ami, toi, tu es assis, tu n'as jamais prêché. Ça fait 3 ans que tu es assise, tu n'as jamais prêché la parole. Tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois. Voilà comment beaucoup de chrétiens, excusez-moi, ont été attachés, frères et sœurs, et ont laissé les rois régner sur eux, mes amis. Quand je dis les rois, c'est les hommes, les dirigeants, tout ça, les anciens, tout ça, qui règnent sur les chrétiens. Ouais, frères et sœurs. Il y a des chrétiens, le Seigneur leur dit, toi, tu dois partir dans tel pays vivre, faire mon œuvre là-bas. Et qu'est-ce qui se passait des chrétiens? Ils vont demander l'approbation de leurs dirigeants pour savoir est-ce qu'ils doivent partir là-bas, mes amis. Je vous dis la vérité, mais c'est grave. Et le dirigeant va te dire, non, ce n'est pas le temps. Il va se passer quoi? Eh bien, tu vas rester t'asseoir, mes amis. Et tu ne vas pas répondre à l'appel du Seigneur, mes amis. Mais tu auras des comptes à rendre. Ouais, à Yeshua, mes amis, je vous dis, c'est grave. On va prendre verset 6. On va continuer verset 6. Aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit, établis sur nous un roi. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, c'était une mauvaise chose que le peuple
demande à ce qu'un roi règne sur eux. Donc, frères et sœurs, si tu laisses un roi régner sur toi, un homme, un dirigeant régner sur ta vie, frères et sœurs, mais en fait, c'est une mauvaise chose, mes amis. Tu passes à côté de la volonté du Seigneur, tu passeras à côté de la volonté du Seigneur pour ta vie. Et tu vas perdre des années et des années. Tu comprends, frères et sœurs? Il y a au moins des vingtaines d'âmes, des trentaines d'âmes, des cinquantaines d'âmes, des centaines d'âmes, des, au moins des milliers d'âmes que le Seigneur, comment dire, à travers l'œuvre qu'il fera à travers toi, à travers l'appel qu'il a mis sur ta vie, eh bien, des âmes doivent rentrer au paradis. Mais tu as perdu 5 ans, 10 ans, mes frères. Où sont toutes ces âmes que le Seigneur a... Où sont toutes ces âmes? Ils sont où toutes ces âmes-là, mes amis? Parce que le chrétien, s'il ne réalise pas qu'il doit se responsabiliser, quand je dis responsabiliser, à savoir suivre le Seigneur, vous comprenez? Vous voyez? Le Seigneur, tu vois, parce que suivre le Seigneur ne fait pas de toi quelqu'un qui est respectueux, quelqu'un qui est rebelle, quelqu'un qui n'aime pas. En fait, suivre le Seigneur, mes amis, c'est ce qu'on doit tous faire, mes amis. Si on veut te sortir de cela, frère et sœur, c'est qu'on veut régner sur toi, mon ami. Ça, c'est un message pour l'Église. De la part de Yeshua de Nazareth, mes amis. Il dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. C'est l'heure de suivre Jésus. Ce n'est pas l'heure de suivre un roi. Ce n'est pas l'heure de me suivre, nous qui prêchons. Mais en fait, ce message, c'est pour te pousser à suivre le Seigneur et à répondre à son appel parce qu'il a une œuvre à faire avec toi. Tu comprends, frère et soeur? Je ne sais pas ce qu'il te dira de faire, mais il va t'appeler, il t'appelle à faire son œuvre. Il t'appelle à travailler pour son royaume, mes amis. Alléluia! Waouh! Que vas-tu dire au Seigneur? Seigneur, ben en fait, Seigneur, tu sais... Beaucoup vont dire, je vous dis, hein, le jour du jugement, mes amis, beaucoup vont dire au Seigneur, Seigneur, tu sais, vous serez seul, hein, je ne serai pas là pour toi, ni ton dirigeant, ni ton église, tu seras seul avec le Seigneur pour rendre des comptes. Que vas-tu dire au Seigneur? Seigneur, tu sais, en fait, il te dira, non, ne me dis pas, tu sais, ma parole est venue vers toi. Voilà pourquoi beaucoup sont rebelles envers le Seigneur, beaucoup sont rebelles, mes amis, beaucoup sont rebelles à Jésus. Comme le jeune prophète qui a désobéi au Seigneur. Beaucoup sont dans la rébellion envers Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Oui, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. Beaucoup sont rebelles envers le Seigneur. Et l'autre fois, une soeur me partageait un passage. Elle me dit, par rapport au partage sur la rébellion, ça l'a édifié, mais elle me disait, en fait, Corée, tout ça, mais c'était la. En fait, Corée a convoité. Il convoitait la place de Aaron, il voulait quelque... En fait, il voulait ça. Vous voyez, frères et sœurs? Et c'est ça aussi la rébellion, c'est de convoiter, mes amis, convoiter les grâces, les talents des uns et des autres. Ça, c'est la rébellion contre le Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs? Parce que le Seigneur va donner telle grâce, tel talent à l'autre, on va convoiter ça, on va vouloir ça, mes amis. Mais ça, c'est la rébellion. La rébellion par la convoitise, comme le diable au ciel. Ça, c'est la rébellion, la convoitise, la rébellion par la convoitise. Vous voyez, frères et sœurs? Parce qu'on veut le talent du frère, de la sœur. On veut chanter comme elle. On veut ça. Et on veut ça. Et comme on n'a pas ça, on va tout faire, en fait, pour le détruire. Tout faire pour la casser. Tout faire pour la condamner, la détruire. Vous comprenez, frères et sœurs? Mes amis, c'est grave. Mes amis. Au verset 6, il dit... Aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit, établis sur nous un roi. Frère, on est dans un temps, les chrétiens cherchent des rois pour régner sur eux. Frère, quand je vois quelqu'un qui veut à tout prix que je règne sur lui ou sur elle, mes frères, ils voient qu'il n'y a rien. C'est comme on reçoit des mails, les gens veulent aller travailler avec nous. Frère, on n'est pas là pour travailler avec vous. Excusez-moi, mais on est là pour travailler avec le royaume. Toi, travaille avec le royaume. Nous ne sommes pas là pour collaborer. Il y a des gens qui envoient des mails pour collaborer. Oui, on peut travailler ensemble, tout ça. J'aimerais bien faire partie de vos ministères. Tous frères et sœurs, mes amis. Vous voyez pas pourquoi on n'a pas répondu à tout ça? On n'est pas là pour collaborer. Je ne suis pas une église. Frère, nous sommes des missionnaires. Nous sommes des missionnaires. Alléluia. Vous comprenez, frères et sœurs? Le Seigneur nous amène, nous appelle, frères, à aller crier, à aller annoncer la parole, frères et sœurs, baptiser les âmes et, comment dire, les enseigner aussi la parole. Et les laisser comme les nuques éthiopiens. On ne va pas leur dire, venez dans notre église. Frère, s'il fallait bâtir une église, frère, on l'aurait fait. Mais comme c'est pas ce qu'ils nous... c'est même pas ce qu'ils me demandent de faire, déjà, dans la parole. Déjà, oui, il peut nous demander, il peut implanter des églises, il n'y a pas de souci, le Seigneur.
Mais quand je dis ça, c'est que si on voulait, on pouvait bâtir une méga église. L'église de VDN. Frère, on aurait pu faire ça si on était dans la chair, si on voulait vraiment faire les choses de nous-mêmes, tout ça, etc. Selon le monde aussi, selon les églises que nous voyons aujourd'hui, on aurait pu bâtir une méga église avec tout le monde dedans. On aurait pu faire ça. Église EVDN, frères et sœurs. Vous voyez, même nous, c'est pas tout le temps fait des programmes. On a une vie de famille. En fait, c'est ça que j'aime avec le Seigneur, frère. C'est la spontanéité. C'est magnifique, frères et sœurs. S'il faut aller voir des âmes, on va aller voir les âmes. S'il faut faire un programme, on fera un programme. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas de programme pour l'instant. Chacun doit être dans sa relation avec le Seigneur. Vous comprenez? Et le fait de faire ça, eh ben, ça pousse chacun à chercher le Seigneur. Et qu'on se revoit, vous ne voyez pas comment c'est magnifique? Le feu, la gloire du Seigneur, sa présence, c'est glorieux, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Alléluia! C'est glorieux. Vous voyez, frères et sœurs? Et c'est ce qui est beau avec le Seigneur. Donc, il y a un temps pour être avec le Seigneur, un temps pour faire l'œuvre, un temps pour la famille, un temps pour bâtir sa vie, parce qu'il faut aussi travailler. Et je parle de ça qu'un frère, le fait de travailler, de bâtir sa vie, de bâtir une œuvre, d'entreprendre, de bâtir son entreprise, en fait, c'est un témoignage aussi pour les inconvertis. Parce que les gens nous voient crier, tout ça, ils peuvent penser qu'on est des cassos, des malades, des gens qui n'ont pas d'intelligence, des gens qui sont fous. Et quand ils voient le témoignage aussi par rapport à la société, ils voient qu'on est intégré dans la société, on en travaille, on a des entreprises, on bosse, tout ça. Mais en fait, ça secoue. Et c'est ce que me disait un frère l'autre fois, parce qu'il crie partout comme ça. Et la directrice la directrice le voit crier dans les marchés. Et la directrice voit que... Et c'est la maîtresse et la directrice voient qu'il a un emploi stable, tout ça, sa femme fonctionnaire, son fonctionnaire, tout ça. Et en fait, ça secoue. Vous voyez, frères et sœurs? Voilà pourquoi Paul travaillait de ses mains. Il faisait les tentes. Yeshua était charpentier. Lui qui était médecin. Frère, je vous dis ça. En fait, c'est magnifique, mes amis. Parce que être chrétien, frères et sœurs, c'est pas de. Je vous une parenthèse. Ce n'est pas de vouloir à tout prix devenir prophète, pasteur, apôtre, docteur, gérer une église, gérer, prêcher, faire des chaînes de télé, gérer. C'est pas ça être chrétien, mes amis. Vous comprenez? Parce qu'on peut faire tout ça, frère, avoir un mauvais témoignage devant les gens en convertis, mais ils vont dire, c'est ça Jésus? Mais c'est des voleurs, ils veulent voler l'argent des gens. Ils vont nous prendre exactement comme les églises qu'on voit aujourd'hui, mes amis, où ça dépouille les gens, où ça parle que d'argent, où ça. C'est compliqué. Donc il doit avoir une différence. Et le Seigneur dit dans la fin des temps, il fera la différence, frères et sœurs, entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. La différence. Et nous sommes dans ce temps où il y a une différence, frères et sœurs, de langage, une différence d'action dans l'action, une différence dans l'adoration, une différence dans le fonctionnement, une différence parce que l'Esprit du Seigneur est en train de se mouvoir. L'Esprit du Seigneur est en train de parler à son Église. Il est en train de ramener son peuple au premier amour, à l'Évangile véritable, l'Évangile de Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Alléluia, frères et sœurs. Waouh! Vous voyez, frères et sœurs, je ne dis pas ceux qui travaillent, attention, je ne dis pas que ceux qui ne travaillent pas, attention, vous êtes des mauvais exemples, ce n'est pas ce que je dis. Vous comprenez, frères et sœurs? Mais c'est pour nous faire comprendre par là que être chrétien, ce n'est pas, ne pas travailler, ce n'est pas ça être chrétien, attention, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Parce qu'il y en a, ils ne veulent pas travailler, ils sont là, ils veulent faire prêcher, ils veulent aller créer des chaînes, tout ça, prêcher, alors que. Ils ont des mauvais témoignages au travail, mes amis. Des mauvais témoignages au travail. Vous voyez, frères et sœurs? Mauvais témoignages, mes amis, au travail. Vous voyez, frères et sœurs? C'est grave, ça, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? C'est ça, le chrétien. C'est aussi entreprendre. C'est aussi bâtir sa vie. Vous comprenez, frères et sœurs? Faire des formations, avoir un travail, avoir un métier. C'est ça, le chrétien, avoir une vision. Il y a des chrétiens qui n'ont aucune vision. Leur vision, c'est aller à l'église tous les jours, mes amis. Voilà leur vision. Leur vision, c'est d'être assis à l'église tous les samedis, tous les dimanches, tous les mercredis, tous les lundis, tous les mercredis. Participer à tous les réunions d'église, mes amis. Oui, frères et sœurs. Et leur vie personnelle, aucun témoignage. Quand leur famille les voit, 10 ans plus tard, toujours pas de travail, toujours pas de mariage, toujours pas de projet, toujours pas de vision. Ils sont où? Dans l'église. Oui, frères et sœurs. En fait, je me rends compte que ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs, la Bible parle de communion. Vous me dites, oui, mais il ne faut pas abandonner son assemblée. Ce n'est pas ce que je dis, en fait. Tout chrétien, on a tous une communion, frères et sœurs. C'est biblique.
Oui, frère, sœur. Mais le rôle, l'ordre a été renversé, comme j'avais pu prêcher un jour. Vous voyez, frère et sœur, l'ordre a été renversé et on doit revenir dans l'ordre véritable. Alléluia, frère et sœur. Le Seigneur, la famille et, comment dire, l'Église, la mission, tout ce qu'on veut, vient par la suite. Parce que le Seigneur veut que nous soyons à ses pieds d'abord, mes amis. Comme Marie. Beaucoup de chrétiens sont ici et là, ça court partout, frère. C'est, mon ami, c'est pas être chrétien. Vous voyez, frère et sœur. Être chrétien, c'est écouter Jésus et de faire tout ce que Jésus te demande de faire. Il y en a, comme Jésus leur demande de faire quelque chose, frères et sœurs, d'accomplir une œuvre pour son royaume, de faire ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va le prendre tout à l'heure. Bon, on va le prendre maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On va prendre 1 Samuel 1. Or, le jeune garçon Samuel servait Yahweh en présence d'Élie. La parole de Yahweh était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Il arriva en ce temps-là, en ce temps qu'Élie était couché à sa place, ses yeux commençaient à se ternir, il ne pouvait plus voir. Et avant que les lampes d'Élohim soient éteintes, Samuel était aussi couché dans le temple de Yahweh où était l'arche d'Élohim. Il courut vers Élie et lui dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Mais Élie dit, « Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Et il s'en alla se coucher. Yahweh appela encore Samuel. Vous voyez? Donc, le premier appel que le Seigneur lui donne, qu'est-ce qu'il fait? Premier réflexe, il court vers l'homme. Vous voyez, frère et sœur? Comme un jour, un frère, vous devez créer une chaîne télé. Il m'avait appelé à l'époque pour faire une fusion. Il voulait fusionner sa chaîne avec notre chaîne EVDN. Frère, j'ai dit au frère, non, mon frère, c'est pas ça. Tu dois faire ce que le Seigneur te demande de faire, mes amis, là. Je l'ai encouragé, fais ce que le Seigneur te demande de faire, etc. Parce que si je voulais, m'accaparer ou contrôler ou je sais pas quoi, j'aurais dit, ah oui, non, viens, en fait, c'est pas comme ça, en fait. Il y a pas, en fait, nous chrétiens, Seigneur, je te bénis, papa, nous devons pas fusionner ensemble nos œuvres, fusionner ensemble nos appels, nos visions, fusionner ensemble et tout faire pareil. Frère, chaque chrétien doit travailler comme le Seigneur le demande de travailler. Vous voyez, frères et sœurs, ne fusionne pas, viens pas vouloir fusionner avec nous. Frère, c'est pas ce que la Bible nous demande, frère. Chacun doit aller travailler dans le champ qu'il a reçu. Tu comprends, frère et sœur? Et on peut glorifier le Seigneur, voilà ce qu'il fait, il n'y a pas de problème. On peut s'encourager à glorifier. Mais viens pas vouloir faire comme moi. Tu comprends, frère et sœur? On fusionne ensemble. Il voulait fusionner. J'en ai parlé à un frère et sœur avec qui l'équipe EVDN. Voilà, mais dans le royaume, vous avez compris. Mais on s'est dit, mais non, c'est pas comme ça. Chacun doit travailler dans ce qu'il a reçu. Vous voyez, frère et sœur? Le frère a fait sa chaîne, mais là, on a appris qu'il a carrément fermé sa chaîne de télé, frère et sœur. Alors qu'il faisait un travail, c'était un beau travail pour le Seigneur, il annonçait la parole du Seigneur, et on apprend, oh, le frère a fermé sa chaîne de télé, mes amis. On était choqués. Vous voyez, frère et sœur? Donc, beaucoup de chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils avortent, le travail que le Seigneur leur demande de faire, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs, pourquoi? À cause des paroles, à cause d'entendre. Très peu de chrétiens vont dire, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, on me dit ça, mais qu'est-ce que toi tu me dis, Seigneur, mes amis? Vous voyez, frères et sœurs? Et le problème que c'est dans notre chrétienté, voilà, c'est qu'on prend toutes les paroles qu'on peut entendre pour celles venant d'Élohim, venant du Créateur, mes amis. Alors que le Seigneur, il doit te parler personnellement, frères et sœurs. Tu comprends? Mes frères et sœurs, waouh! Si moi personnellement j'avais écouté tous les dires, frère, mais tout ça, il n'y aurait jamais eu tout ça, mes amis. Il n'y aurait pas eu tous ces baptêmes, toutes ces conversions, tous ces mariages, parce qu'il y a eu tellement de mariages, frères et sœurs. Le Seigneur a béni les hommes, des femmes mariées, délivrées, travail. Il n'y aurait pas eu tout ça, frères et sœurs. Il n'y aurait pas eu des chanteurs délivrés. Il n'y aurait pas eu des missions comme. Il n'y aurait pas eu tout ça. Pourquoi? Parce que j'aurais avorté tout ça à cause des paroles des hommes. Et voilà comment beaucoup avortent l'appel qu'ils ont reçu. Pourquoi? À cause des paroles des hommes. Parce qu'ils n'écoutent pas la voix du Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs? Ils vont vouloir qu'un roi règne sur eux. Que quelqu'un règne sur eux, que l'Église règne sur eux. Voilà comment beaucoup de chrétiens ne font pas l'œuvre du Seigneur. Beaucoup de chrétiens ne répondent pas à l'appel de Yeshua de Nazareth. Alors qu'il y a ton voisin qui va te sauver. Mais toi, tu penses qu'à ton Église. Alors que ton voisin, tu ne lui as jamais prêché la parole, mes amis. Tu n'as jamais prêché ta parole, la parole du Seigneur à ton voisin. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème, mes amis? Oui, frère et sœur.
Et on voit par là au verset 5, et il courut vers Élie et lui dit, me voici car tu m'as appelé. Mais Élie dit, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Vous voyez, le premier réflexe, l'homme, le roi. Enfin, il voulait prendre l'homme pour roi, l'homme pour le Seigneur. Tu vois, même pour aller vivre dans un pays, il faut que tu reçois l'approbation de ton pasteur. L'approbation, mon ami, je ne vois pas qu'il y a un problème, frère et soeur. Tu as une femme, tu as des enfants, tu as ton mari, femme est mariée. Tu vois, au lieu de faire des projets avec le Seigneur et ton couple pour ton avenir où tu vas, où le Seigneur t'envoie, non, toi, il faut que l'Église statue par rapport à ton cas pour savoir si tu dois aller vivre là. Mais je ne vois pas qu'il y a un problème, mes amis. Je ne vois pas que c'est la confusion totale, frère et soeur. Le chaos. Et quand on prêche ça, frère, on est traité de tous les noms. Quand on prêche ça, on est traité de tous les noms, mes amis. Alors que c'est pas ce que la Bible nous enseigne, mes amis. Vrai, frère et soeur. Tu dois aller vivre aux États-Unis. Tu as un projet d'aller vivre aux États-Unis. Comment dire? Toi et ta femme, vous avez un cœur, vous ressentez dans votre cœur qu'il faut aller vivre aux États-Unis. Toi, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu, comment dire, que tu demandes à l'église, est-ce que tu peux aller vivre aux États-Unis? Est-ce que tu peux quitter l'église? Tout ça, on va te dire non, tu dois encore nous donner 2 ans. Comme là-bas, là. Avec toi. Vous voyez, frère et soeur? Non, il faut que je donne encore 2 ans de... Vous voyez, frère et soeur? Jacob travaille pendant des années. Laban lui dit oui, oui, non, oui, il faut encore, il faut encore. Il reste des années, frère et soeur, et il était coincé. Vous voyez, je ferme la parenthèse, mes amis. Vous voyez, frère et soeur? Donc, en fait, si tu dois aller vivre quelque part pour le Seigneur, on ne doit pas te dire non, tu me dois encore 2 ans, encore 3 ans, encore 4 ans, tu me dois encore 5 ans. Tu me dois encore 6 ans, 7 ans. Frère, tu vas mourir là-bas. Tu vas jamais faire. Tu partiras jamais faire l'œuvre du Seigneur. Et tu auras des comptes à rendre à Jésus-Christ, frère et soeur. Vous comprenez, frère et soeur? Tu auras des comptes à rendre au Seigneur, mes amis. Les chrétiens que nous sommes, nous devons réaliser que aller faire l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas un signe de rebelle, de aimer l'œuvre. Frère, il y a un temps où le Seigneur appelle quelqu'un clairement par rapport à l'œuvre qu'il doit faire. Tu vois, frère et soeur? Donc il faut que tu sortes de cette. Comment dire, de ses pensées, oui, je ne suis pas prêt, on m'a dit que je n'étais pas prêt, frère. Non, mon ami, ce n'est pas ce que dit la Bible là. On va voir ce que dit la parole. Qu'est-ce que Samuel dit, qu'est-ce que Élie dit à Samuel? Yahweh dit, Yahweh dit à Samuel, écoute, voilà, écoute la voix du peuple. Excusez-moi, non, c'est pas ça, excusez-moi, je me suis trompé. Je vais reprendre le passage que voilà, par rapport à Élie. Yahweh appelle encore Samuel. Voilà. Et Samuel, voilà, 1 Samuel 3, verset 6. Yahweh appelle encore Samuel. Samuel se leva et s'en alla vers Élie et lui dit, me voici car tu m'as appelé. Et Élie dit, mon fils, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Donc on voit bien par là que, voilà, à 2 reprises encore. Or Samuel ne connaissait pas encore Yahweh et la parole de Yahweh ne lui avait pas encore été révélée. Et Yahweh appela encore, vous voyez, donc quand on ne connaît pas la voix du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir les hommes. Voilà pourquoi nous chrétiens, on doit apprendre dans l'intimité à entendre sa voix. Et très peu de gens, en fait très peu de chrétiens connaissent sa voix. Vous voyez, frères et sœurs? Très peu de connaissent, beaucoup de chrétiens parlent, oui, l'intimité, frère, beaucoup ne... n'entendent pas la voix du Seigneur. Beaucoup n'entendent pas sa voix et ne reconnaissent pas sa voix. Et s'il manque l'intimité, s'il manque la relation avec le Seigneur, eh bien nous aurons du mal à entendre sa voix. Oui, frère et soeur. Donc on voit par là pour la troisième fois, Yahweh appelle encore Samuel pour une troisième fois, verset 8. Et Yahweh appela encore Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva et s'en alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie dit Sana, au bout de la troisième fois. Donc on voit par là pour la troisième fois. Voilà, et Yahweh appela encore Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva et s'en alla vers Élie. Voyez, donc en fait, on voit par là que comme il ne connaissait pas encore la voix du Seigneur, il se tournait vers Élie qui est l'homme, voyez. Et on voit par là que le fait de ne pas connaître, entendre la voix du Seigneur, frères et sœurs, ça, en fait,
Et en fait, voilà, le fait de ne pas connaître la voix du Seigneur et reconnaître sa voix, et qu'on se tourne vers les hommes, frère, on peut être trompé et manipulé, tu peux être détruit parce qu'en fait, tu n'entends pas la voix du Seigneur. Voilà pourquoi il est important que chaque chrétien, chaque enfant du Seigneur, soit dans l'intimité pour apprendre à reconnaître sa voix. Oui, frère et soeur, c'est important. On en parle là, mais ce n'est pas une parole qu'il faut prendre à la légère. Frère, c'est notre éternité qui est en jeu, frère. C'est notre vie éternelle qui est en jeu, frère et soeur. Nous ne devons pas négliger ces choses. C'est important, mes amis. Voyez? Parce que si le Seigneur, toi, tu n'arrives pas à reconnaître sa voix, tu peux être, comment dire, ballotté dans toutes sortes de doctrines, toutes sortes de fausses doctrines, toutes sortes de choses qui risquent de te faire perdre des années, perdre du temps et même perdre la foi. Voyez? Voyez, frères et sœurs, il est important. L'évangile est basé sur Jésus-Christ de Nazareth. Voyez, frères et sœurs, c'est Jésus qu'il faut adorer. C'est Jésus, Yeshua, qu'il faut élever. Tu vois, l'évangile est basé sur le Seigneur et non sur les hommes. Voyez, frères et sœurs, et dans ce temps que nous sommes, le Seigneur veut que son peuple le connaisse, lui seul, l'adore, lui seul, l'élève, lui seul, le chérisse, lui seul. Mon ami, c'est Jésus qui t'a enrôlé. C'est Jésus que tu dois élever dans ton cœur, dans ta vie, frère et sœur. Voilà pourquoi il est important d'entendre sa voix, d'être dans l'intimité pour apprendre à reconnaître sa voix. Alléluia. Oui, frère et sœur. Et au verset 8, il dit: Me voici car tu m'as appelé. Et Élie discerna que c'était Yahweh qui l'a appelé, qui a appelé le garçon. Donc en fait, imagine, enfin j'allais dire, imagine-toi, mais on voit pas là que si Élie, un exemple, hein, si par exemple toi, je prends un exemple, toi par exemple, que tu te tournes vers les hommes, à chaque fois que le Seigneur te parle, tu te tournes vers les hommes, et que les hommes, les dirigeants, ou je sais pas, reconnaissent que c'est vraiment le Seigneur qui te parle, et s'ils sont mal intentionnés, ils vont pas te dire c'est le Seigneur qui te parle. Ils peuvent te dire, en fait, ils peuvent prendre cette parole pour, comment dire, t'assujettir et te détourner de la voix du Seigneur. Tu vois, frère et sœur? Élie discerna que c'était Yahweh qui appelait le garçon. Alors Élie dit à Samuel: Va et couche-toi. Et si on t'appelle, tu diras: Parle. Voilà l'attitude, voilà, comment dire, du serviteur du Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: Parle, Yahweh, car ton serviteur écoute. Voilà, Samuel s'en alla et se coucha à sa place. Yahweh vint et se tint là. Voilà, et appela comme les autres fois: Samuel, Samuel! Et Samuel dit: Parle, car ton serviteur écoute. Voilà pourquoi nous qui prêchons l'évangile, nous qui annonçons la parole, nous devons vous pousser, nous pousser mutuellement, chacun, à aller vers le Seigneur, mes amis. Voyez, frères et sœurs? Voyez, frères et sœurs? Donc, Élie a envoyé Samuel vers le Seigneur et il lui a dit: Parle, Seigneur, je t'écoute. Voyez, frères et sœurs? Et c'est ça en fait que nous devons montrer aux frères et sœurs, témoigner aux frères et sœurs, l'imitation qu'ils doivent avoir en nous. Ben, en fait, c'est ça, vous voyez frères et sœurs, qu'ils doivent aller vers le Seigneur, mes amis. Vous voyez frères et sœurs, entendre la voix du Seigneur. Parce que le Seigneur a une mission pour Samuel. Vous imaginez que Samuel, il reste avec Élie à vie, il reste avec Élie. À quel moment Samuel allait accomplir l'œuvre pour laquelle le Seigneur, comment dire, l'appelait? Il l'appelait jeune. Vous voyez encore, il était jeune enfant, garçon, petit enfant, jeune. C'est-à-dire que le Seigneur veut parler au cœur de ses enfants. Il veut parler au cœur de ses fils. Il veut parler à ton cœur parce que, en fait, il y a un appel sur ta vie, frère et sœur. Il y a une œuvre que le Seigneur veut faire avec toi. Tu comprends? Et beaucoup de chrétiens négligent ça. Vous voyez, frère et sœur, ils oublient que le Seigneur, ou ils ignorent que le Seigneur les appelle pour libérer des peuples, libérer des âmes. Alléluia, frère et sœur. Il ne t'a pas appelé pour rester fermé à l'église pendant 20 ans. Il ne t'a pas appelé pour faire, comment dire, pour être dans la religion pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il t'a appelé pour que tu le serves. Alléluia. Il ne t'a pas appelé pour que tu serves l'église, que tu serves le bâtiment, parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Le bâtiment n'est pas le temple de Dieu, comme beaucoup le disent. Le temple du Seigneur, c'est toi. Le temple d'Élohim, du véritable, c'est toi et moi. Tu comprends, frère et sœur? Donc il est temps que les enfants du Seigneur, les élus, entendent la voix du Seigneur pour qu'ils sachent qu'il y a un appel sur vos vies, mes amis. Alléluia. Parce qu'à travers toi, le Seigneur veut sauver
sauver, il veut délivrer, il veut restaurer des familles parce qu'il a mis des dons et des grâces en toi. Que fais-tu avec ce talent, mes amis? Les grâces et les talents qu'il a mis en toi, tu fais quoi avec? Oui, frère, sœur. Voilà comment beaucoup passent à côté de l'appel qu'ils ont reçu du Seigneur, mes amis. Oui, frère, sœur. Quand le Seigneur m'a demandé de commencer à faire cette vision, cette œuvre, ben frère, je ne réalisais pas ce qui était derrière. Quand je vois aujourd'hui, on n'est pas arrivé, on n'est pas parfait, mais le peu que nous voyons, ce que nous voyons aujourd'hui, frère et sœur, je réalise que c'est important d'écouter sa voix, frère et sœur. Oui, frère et sœur. Parce qu'il a une œuvre à faire avec chacun de nous. Il ne nous a pas sorti du péché pour qu'on puisse être fermé dans une religion ou une église, un bâtiment. Il t'a appelé pour que tu le serves. Alléluia. Oui, frère et sœur. Pourquoi le Seigneur donne ce message aujourd'hui? Pourquoi le Seigneur interpelle? Pourquoi le Seigneur martèle dessus ce message qui donne à ses enfants? C'est parce que l'heure est grave, c'est le chaos, frères et sœurs. Les chrétiens ne répondent pas à l'appel du Seigneur. Les chrétiens ne se responsabilisent pas. Voyez, frères et sœurs, ils ignorent pourquoi ils sont venus à Jésus, pour beaucoup. Voyez, frères et sœurs, ils pensent que c'est, voilà, comme je le disais, hein, le Seigneur donne ce message aujourd'hui. Pourquoi? Car trop d'âmes vont en enfer, mes amis. Et l'Église a été établie pour œuvrer, voyez, tu as été établi pour œuvrer. Oui, frère et sœur. Et beaucoup vont en enfer. Et l'église n'œuvre plus. L'église n'œuvre pas. Elle ne travaille pas. Elle est fermée. Elle est assise. Vous voyez? La bouche de beaucoup sont fermées, mes amis. Et ne parlent pas. N'annoncent pas la parole. Ne travaillent pas pour le royaume des cieux. Et les âmes périssent. Trop d'âmes vont en enfer. Trop d'âmes de personnes vont en enfer. Et l'église a été établie pour œuvrer et non être spectateur d'une élite qui travaille. Donc tu ne dois pas être mon spectateur, mon ami. Tu ne dois pas être spectateur de ce que nous faisons, de l'œuvre que nous faisons. Toi aussi, il faut que tu travailles. Tu comprends, frère et sœur? C'est ça le message de l'évangile. Voilà ce que nous prêchons, pour que tu puisses travailler, que tu puisses réaliser que tu es appelé, mon frère, ma sœur. Peu importe ton pays, peu importe ton âge, tu es appelé. Alléluia. Et le problème qui se pose aussi, c'est que quand tu prêches cette liberté, que tu dis aux chrétiens qu'ils sont libres, beaucoup saisissent et vont vers le Seigneur. Mais il y en a d'autres, frères et sœurs, cette liberté-là, dans cette liberté que le Seigneur donne, il y en a, ils veulent mettre la main sur toi pour te contrôler, mes amis. Pour te donner un message à prêcher, pour te dire de faire comme ci, pour te faire comme ça. Et c'est là le danger aussi qui peut se passer. C'est qu'on peut mettre la main sur toi pour te contrôler de par cette liberté que le Seigneur nous donne. Beaucoup prennent cette liberté pour faire n'importe quoi, pour vivre dans le désordre, frères et sœurs, pour vivre dans le chaos, mes amis. Voilà le constat aussi que nous pouvons faire, frères et sœurs. Et il y en a qui aiment ça aussi, qui aiment que des rois règnent sur eux. Il y en a qui aiment ça. Oui, frères et sœurs, il y a des chrétiens qui ne veulent pas vivre la liberté du Seigneur. Le Seigneur leur donne cette liberté pour qu'ils réalisent qu'ils sont appelés, pour qu'ils réalisent qu'ils doivent travailler dans le royaume, pour le royaume. Mais il y en a d'autres, ils préfèrent qu'il y ait des jougs sur eux, que tu domines sur eux. Il y a des chrétiens, c'est ce qu'ils aiment. Tu leur donnes la liberté, ils font n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'il y en a qui aiment? Ils aiment que tu règnes sur eux, que tu domines sur eux, que tu les dépouilles. Ils aiment ça. Voilà pourquoi les églises aujourd'hui, les chrétiens sont dépouillés, frères et sœurs. C'est l'homme qui est au devant. C'est l'homme qui est adoré. C'est l'homme qui est adulé, frères et sœurs. Voilà notre génération, voilà notre chrétienté, frères et sœurs. C'est le chaos, mes amis. Oui, frères et sœurs. Waouh. Voilà notre génération, frère. Yeshua n'est plus élevé. Le roi n'est plus adoré. Le roi, frère, très peu paye le prix. Comment dire, en écoutant sa voix. Parce que pour écouter sa voix du Seigneur, il faut payer un prix, mes amis. Il faut payer le prix. Il te dit, fais ça, il faut payer le prix. Parce que le fait d'écouter la voix du Seigneur va faire de toi quelqu'un ou quelqu'une, voilà, je parle pour les sœurs, d'incompris, totalement incompris des yeux des hommes. Vous voyez, frères et sœurs, écouter la voix du Seigneur, mes amis, c'est aller à contre-courant, c'est aller à contre-vent, mes amis, c'est ne pas faire comme les gens font, ne pas faire comme le monde fait, ne pas faire comme tout le monde. En fait, c'est faire comme l'Esprit t'enseigne. Alléluia.
Voilà l'évangile, frères et sœurs. Voilà le message que le Seigneur nous donne dans ces temps de la fin, frères et sœurs. L'écouter, se responsabiliser. Es-tu responsable? Toi et le Seigneur, es-tu responsable avec le Seigneur? Ou tu attends, voilà, qu'un ange descende pour secouer l'eau? Hein? Voilà, c'est terrible ça, mes amis. Qu'est-ce que tu attends? Où en es-tu dans ta marche, frères et sœurs? Où en es-tu? Tu attends la directive de qui? De moi? Non, je ne te donnerai aucune directive. Je te dirai, va vers la parole. Va voir ce que le Seigneur te dit. Vous voyez, frères et sœurs, le Seigneur veut nous responsabiliser. Il veut responsabiliser enfin, ses enfants. Il veut que tu prennes conscience de ton héritage. Ton héritage, c'est quoi? Tu as reçu l'évangile, frères et sœurs. On a reçu la parole. On doit mettre en pratique cette parole que nous avons, cet héritage que nous avons reçu, l'évangile. Ne laisse personne lire la Bible pour toi. Mon ami, tu dois saisir cette parole et que cette parole descende dans ton âme. Alléluia, mes amis. Ouais, frères et sœurs. Et on va reprendre le passage dans Samuel. Alors, Samuel 1. Au verset 6, on va le reprendre. Et là, on a vu que le peuple voulait qu'un roi puisse régner sur eux. Et on voit au verset 6 que, aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit, établis sur nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria Yahweh. Yahweh dit à Samuel, écoute la voix du peuple. Dans tout ce qu'il te dira. Ça, c'était l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, qu'on appelle l'Ancien Testament. Dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté afin que je ne règne plus sur eux. En fait, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup rejettent le Seigneur, voyez, parce qu'ils ne veulent pas qu'il règne sur eux, ils ne veulent pas que le Seigneur règne sur eux, parce qu'ils veulent voir, ils veulent toucher. Nous sommes dans un temps où les humains veulent toucher, ils veulent voir, ils veulent toucher, ils veulent des idoles. Ils veulent des Elohim, des dieux, des idoles dans leur cœur, dans leur foyer. Vous voyez, frères et sœurs? Il dit, écoute la voix du peuple dans tout ce que te dira, c'est le seul Seigneur, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi. Quand tu adores un homme, quand tu adores tes dirigeants, quand tu adores l'église, l'église passe avant mes amis, en fait, le Seigneur ne règne plus sur toi. Tu vois? Tu rejettes le Seigneur. Tu rejettes le Seigneur pour qu'il ne règne plus sur toi. On le voit, frères et sœurs, dans la chrétienté, le Seigneur ne règne plus sur beaucoup de chrétiens. Je te dis la vérité. Parce que quand le Seigneur règne sur toi, frère, tu prends position pour lui. Quand il règne sur toi, frère, tu es esclave de lui. Quand il règne sur toi, en fait, tu ne peux qu'écouter que lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi les messages que le Seigneur peut donner aussi à travers ses enfants, à travers ses serviteurs, mais qui correspondent aussi à la parole. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, tu écoutes le Seigneur, oui. Comme le dit la parole d'Éphésiens 4, il y a aussi des ministères que le Seigneur établit. Et ces ministères, on ne les voit plus aujourd'hui. On ne voit plus de prophètes quasiment. Des véritables prophètes, des évangélistes, des apôtres, des docteurs. Tous ces ministères, frères et sœurs, dont parle la parole, c'est comme si on ne les voit plus aujourd'hui, frères et sœurs. C'est comme si aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils ont reçu des dons et des talents. Beaucoup ne réalisent pas en fait qui ils sont, qu'ils sont aussi prêtres. Vous voyez, frères et sœurs? On voit aujourd'hui, dans la chrétienté, le système pyramidal. On voit les hommes au devant et le peuple qui est assis. Le peuple, je vais vous dire la vérité, qui vont à gauche, qui vont à droite, qui vont devant, qui vont derrière et qui n'ont pas conscience qu'ils doivent laisser le Seigneur régner sur eux et qu'ils doivent prendre position pour le Seigneur, pour sa parole et aller dans le champ, aller dans sa moisson. Quel témoignage tu peux dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu as fait avec le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur a fait avec toi? Qu'est-ce que tu peux témoigner? Quel témoignage que tu as, mon frère, ma soeur? Beaucoup de chrétiens n'ont pas de témoignage. Je te dis la vérité. Beaucoup n'ont pas de témoignage. Tu vois? Comment nous pouvons vivre aujourd'hui notre vie chrétienne si... ce train-train quotidien? Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que nous nous réveillons et que nous puissions embrasser la parole du Seigneur et se laisser saisir par le Seigneur pour qu'il puisse œuvrer à travers nous, mes amis. Tu vois, tu dois être responsable, chrétien, responsable. Tu vois,
prendre position pour la parole du Seigneur, de ne pas pratiquer ce qui est contraire à la parole, de ne pas faire ce que la parole dit de ne pas faire. Si, même si c'est moi qui te dis de faire quelque chose et qui n'est pas biblique, il faut le rejeter, il faut le refuser, mes amis. Vous comprenez? Et c'est là où le Seigneur veut nous emmener à se responsabiliser, frère, parce qu'il s'agit de ton âme, de ton éternité, de ton salut. Alléluia. Verset 8. Ils agissent à ton égard comme ils ont agi depuis le jour où je les ai fait monter hors d'Égypte. Quand on lit la parole, beaucoup de chrétiens disent: oh là là, mais comment Israël a fait pour rejeter le Seigneur? La caille tombe du ciel, la mer rouge s'est ouverte. Frères et sœurs, même si on était dans cette génération aussi, frère, beaucoup de chrétiens auraient fait comme Israël. Ils auraient regretté l'Égypte, ils auraient haï le Seigneur, ils se seront rebellés contre le Seigneur aussi, malgré qu'ils auraient vu tout ça. Oui, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. Beaucoup se seraient quand même rebellés contre le Seigneur, malgré qu'ils auraient vu tous ces miracles, la mer rouge qui s'ouvre, tous les plaies que le Seigneur a envoyées sur Israël. Ils ont été épargnés de la mort, toutes ces choses. En fait, en vérité, les miracles, en fait, en vérité, c'est pas ce qui, en vérité, qui amène forcément à croire au Seigneur, avoir la foi au Seigneur. En fait, la parole est claire. Hein. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Donc, ce n'est pas un miracle que tu vas avoir tes yeux qui va te faire que tu vas... Ça peut utiliser ça, il n'y a pas de souci. Mais comprenez le message. En fait, c'est la foi qui nous sauve. La foi en Jésus-Christ, en Yeshua, qui nous sauve. Parce que beaucoup de gens disent: ah, mais si Dieu fait un miracle aujourd'hui, je vais croire. En fait, en vérité, c'est ce que les gens diront. Mais ce n'est pas forcément ce qui va amener la foi en eux. Ce n'est pas forcément... La parole dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. C'est pas la foi vient de ce qu'on voit, des miracles qu'on va voir, etc. La foi vient de ce qu'on entend, c'est la parole. Voilà pourquoi c'est un temps où tous les chrétiens doivent annoncer la Bible, annoncer l'évangile. Tu dois prêcher la parole. C'est pas réservé à nous, à moi, à une élite de prêcher la Bible. Tous les chrétiens doivent prêcher la Bible, mes amis. Parce que c'est la parole de notre papa et il faut la défendre. Tu comprends, frères et sœurs? Voilà pourquoi il faut la méditer, la saisir pour la prêcher. Oui, frères et sœurs. Donc, un chrétien, un frère qu'on connaît, qui reçoit une vision du Seigneur, qui voulait, que je disais au début du partage, qui voulait fusionner avec nous, je lui dis non, tu dois faire le travail que le Seigneur te demande. Et qu'on voit par la suite qu'il ferme la chaîne qu'il a reçue quelques temps avant, après. On se dit, mais il y a un problème, tu vois. Alors qu'il a appelé aussi à prêcher la parole du Seigneur, le frère ferme la chaîne, on ne sait pas pourquoi, mes amis. Oui, frères et sœurs. Donc, en fait, il est temps que nous puissions répondre à l'appel que le Seigneur nous met sur notre vie, mes amis. Parce que ce n'est pas pour toi que tu sers le Seigneur, c'est pour sa gloire. Et beaucoup, mes amis, ont peur, beaucoup écoutent les voix, les paroles et tout, frères et sœurs, et ils abandonnent le chemin du Seigneur. Oui, frères et sœurs, ils abandonnent l'évangile véritable, ils abandonnent l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Voyez, frères et sœurs, pour plaire aux hommes, pour plaire aux uns aux autres, ils ne vont pas faire ce que le Seigneur leur demande, mes amis. Voilà aussi... beaucoup de chrétiens laissent les gens régner sur eux. Oui, frères et sœurs. Et c'est là le problème. Élie dit à Samuel, à la troisième fois, il a compris que c'était le Seigneur qui lui parlait. Il lui a dit: dis ton serviteur, parle, je t'écoute, Seigneur, parle. Oui, frères et sœurs. Le Seigneur veut te parler dans cette génération. Il veut parler, il veut œuvrer, frères et sœurs. Il veut qu'on saisisse les choses. La dernière fois que tu as parlé à une âme du Seigneur, c'était quand? Oui, frères et sœurs. Dans ton cœur, c'est ton église, tu vois que ton église. Oui, frères et sœurs, tu vois que ton église, tout. Mais quand est-ce que tu vas dire au Seigneur: Seigneur, tu me vois où, Seigneur? Qu'est-ce que tu me demandes de faire, Seigneur? De bâtir, Seigneur? De construire, Seigneur? Quoi? C'est le temps de prier ainsi, frères et sœurs. De devenir responsable. Tu vois? Et quand on a nos missions aux Antilles, quand on va en mission aux Antilles depuis 2019, eh bien, le Seigneur nous a poussé, en fait, à travers tout ça, à faire comprendre nos frères et sœurs qu'ils doivent se responsabiliser. Oui, frères et sœurs, se responsabiliser. Comme en 2019, on était parti prier pour notre frère, Yori, qui est à l'hôpital. Je ne suis pas allé dans la chambre pour prier. Le Seigneur m'a complètement bloqué pour que je ne puisse pas aller prier dans la chambre. Il m'a clairement mis dans mon cœur de laisser mes frères aller prier pour qu'ils puissent aussi apprendre à se responsabiliser, frères et sœurs. Je vous dis la vérité.
Ils sont partis, mon frère Ulrich, ils sont partis dans la chambre. Ils ont prié, frère, pour la... s'il était à l'hôpital, pour qu'il soit délivré, frère, les délivrances le lendemain, ou un truc comme ça, il est sorti, je ne me trompe pas, le lendemain, il est sorti de l'hôpital, le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus exactement combien de temps après, il est venu au programme que nous faisions, il a témoigné de ce que le Seigneur a fait pour lui, il craint le Seigneur, il a craint le Seigneur, notre frère, vous voyez, et ça a pris jusqu'aujourd'hui à mes frères à se responsabiliser, vrai frère et sœur. Et à ne pas être là et à me suivre moi ou à suivre nous autres, mais à suivre l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit Saint de Yeshua, mes amis. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc voilà le rôle aussi, voilà notre, comment dire, à nous qui sommes, qui prêchons la parole, qui annonçons l'Évangile, voilà ce que nous devons faire, c'est pousser les autres à aller aussi se responsabiliser, mes amis. Vous comprenez? Comme Élie a fait avec Samuel. À écouter le Seigneur, à parler avec le Seigneur, mes amis, frères et sœurs, pour qu'ils puissent devenir responsables, qu'ils puissent grandir en maturité, qu'ils puissent commencer à écouter sa voix de plus en plus et répondre à l'appel du Seigneur. Parce que le but, comme dit la parole dans Éphésiens 4, le but, je ne dis pas que je suis prophète, ni apôtre, ni docteur, ni évangéliste, je ne sais pas ce que je dis, mais le but de nous qui prêchons la parole, c'est, en fait, c'est dans le but de perfectionner les saints, vous comprenez ? Afin que les saints, demain aussi, aillent perfectionner d'autres saints pour qu'ils puissent répondre à la paix. En fait, c'est une multiplication. Et si nous saisissons ces choses, frère, mais on fait des dégâts dans le monde entier. Mais le problème dans notre chrétienté aujourd'hui, c'est que comme il n'y a pas de chrétiens qui se responsabilisent, ils ont laissé cette responsabilité à une élite, et bien, eux-mêmes ne travaillent pas, vous voyez, frères et sœurs. Et du coup, dans le champ du Seigneur, c'est pour ça que la parole dit « Priez le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson » parce qu'il y a peu d'ouvriers, vous voyez, frères et sœurs. Et bien, comme c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et bien, c'est une élite qui travaille. Et on voit un peuple qui est oisif, qui est oisif, qui vont à gauche, à droite et qui vont attendre à ce qu'on leur donne une directive, une direction, quelque chose à faire, un truc à faire pour travailler, pour faire une mission. Et ils ne vont pas eux-mêmes travailler avec le Seigneur, mes amis, et s'attendent au Seigneur. On a vu dans la chambre haute, quand le feu est descendu, les 120 disciples sont partis dehors, mes amis. Et chacun a œuvré, a parlé, travaillé selon que l'Esprit leur a donné. La Bible dit que des langues de feu se sont posées sur les épaules, eux tous. On n'a pas dit que des langues de feu se sont posées sur 3 personnes seulement, 2 personnes. On a dit que des langues de feu se sont posées sur eux tous. Donc on voit par là que le Seigneur veut œuvrer avec tout le monde, toute l'Église. Alléluia, mes amis. C'est magnifique ça, c'est beau ça, mes amis là. Ah, je suis encouragé, ça m'encourage. Vous voyez, frères et sœurs? Donc ce n'est pas une élite. Voilà pourquoi tu dois te responsabiliser. Il t'a parlé, mais en fait aujourd'hui, des chrétiens se laissent déresponsabiliser par leurs dirigeants, par les églises, par les anciens, etc. Et eux-mêmes ne répondent pas à l'appel du Seigneur. On te dit « reste assis ». Comme Élie là, imaginez-vous, Élie aurait dit à Samuel, reste ici, tu restes ici, tu ne bouges pas. Non, tu ne bouges pas, tu restes ici. Oui, mais le Seigneur m'a dit, tu restes là. Mais j'ai commencé à comprendre que c'est lui qui me parlait. Non, ce n'est pas ton temps. Mais en fait, il m'a non, je t'ai dit quoi? Tu restes là, tu n'es pas prêt. Dehors, il y a les démons. Il faut une maturité. Non. Et Samuel, je t'ai dit quoi? Et Samuel commence à fermer sa bouche et Samuel, ben, il devient... captif, il devient esclave, menotté et il ne peut plus répondre à la voix du Seigneur. Qu'est-ce qu'il va dire au Seigneur? Seigneur, mais en fait, je veux bien. Mais en fait, Élie m'a dit non. Si je n'obéis pas à Élie, j'aurai des problèmes, Seigneur. Je ne peux pas. Voilà comment aujourd'hui beaucoup de chrétiens ben, en fait, deviennent muselés, captifs, prisonniers et tout leur argent, tout ce qu'ils possèdent, eh ben, l'Église le capture, l'Église le prend pour lui. Ils deviennent des propriétés, la propriété de l'Église, frères et sœurs, et plus la propriété du Seigneur, mes amis. C'est terrible, mes amis. Et le Seigneur dit, laissez venir à moi les bébés, les petits-enfants, et les chrétiens aujourd'hui ne vont plus vers le Seigneur. Ils ont été déresponsabilisés. Oui, frères et sœurs, déresponsabilisés. Quand quelqu'un est malade, ils vont appeler le pasteur, ils vont appeler l'Église, alors qu'eux-mêmes peuvent prier. Mais tellement qu'on les a habitués à ce qu'ils ne valent rien, tu ne vaux rien, tu ne peux pas, t'es nul, tu vaux rien, tu peux pas, t'es incapable. Tellement méprisé que, en fait, c'est rentré dans leur cœur. Et on voit aujourd'hui des chrétiens, en fait, qui sont complètement frères et sœurs, en fait, qui n'ont plus foi, en fait, en vérité. Vous voyez?
Ils regardent la foi des autres agir, mais leur foi là, elle est éteinte, elle est détruite. Vous voyez, frères et sœurs, parce qu'ils ont entendu beaucoup de paroles. Tu ne peux pas prêcher la parole, tu ne peux pas enseigner la parole, tu es trop jeune, tu ne peux pas, tu ne vaux rien. Reste ici, c'est moi qui dois te former, c'est moi ton papa, c'est moi qui t'ai posé les mains, c'est moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ces chrétiens-là, frères et sœurs, ben, ils vont voir que des yeux pour les dirigeants et plus de yeux pour le Seigneur. Voilà comment beaucoup de chrétiens, frères et sœurs, ne rentrent pas dans l'appel qu'ils ont reçu pour Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs. Et le cœur du Seigneur, il pleure, mes amis. Ah, mes amis, ce n'est pas un jeu. Là, je sens, c'est le cœur de Yeshua qui est en train de pleurer parce que son peuple, son église, beaucoup de chrétiens ont été éteints, détruits, frères et sœurs, et ils n'ont pas répondu à l'appel du Seigneur et des âmes meurent. Des gens meurent, frères et sœurs. Alors qu'il n'y a plus de temps, c'est un temps de travailler, c'est un temps qu'il faut travailler, c'est un temps qu'il faut œuvrer, c'est un temps il faut se lever parce que des gens meurent. Où est l'église, mes amis? Où est l'église? L'église est endormie. Où est l'église? L'église, aujourd'hui, regarde comme des spectateurs, 2-3 personnes travailler et ils sont devenus muets. Ouais, frères et sœurs. Voilà dans quoi, aujourd'hui, notre chrétienté se trouve, mes amis, frères et sœurs. Des chrétiens qui ne sont plus responsables. Responsables pour leur intimité. Responsables pour écouter la voix du Seigneur. Responsables pour dire, Seigneur, tu veux quoi de moi, Seigneur? Vous voyez, frères et sœurs? Voilà pourquoi aujourd'hui, très peu de chrétiens vivent la gloire du Seigneur. Très peu vivent le réveil, la conversion, des guérisons, des miracles, des baptêmes. Très peu. Je vous dis la vérité, il y a un problème, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Très peu saisissent la pensée du Seigneur. Beaucoup sont des religieux. Voilà où je donne notre génération, frères de chrétiens, mes amis. Le chaos. On ne voit plus ces appels qu'on voit dans la parole du Seigneur, ces Étienne, frères et sœurs, des prophètes, des évangélistes qui œuvrent pour le royaume. Vous imaginez tous les chrétiens, frères et sœurs, si on était tous centrés sur la parole du Seigneur, vous imaginez le dégât que nous ferions dans le monde entier, frères et sœurs? Non seulement qu'il y a que des chrétiens, beaucoup de chrétiens sont irresponsables par rapport à l'œuvre du Seigneur, irresponsables par rapport à l'œuvre du Seigneur, je vous dis la vérité, par rapport à la parole du Seigneur, ils sont irresponsables, mes amis, frères et sœurs. Non seulement il y a ça, mais en plus, il y a des querelles, des divisions entre chrétiens. Tout cela à cause de quoi? Les appels et les dons et les grâces que le Seigneur donne à chacun. Les dons et les talents que le Seigneur nous a donnés, c'est pour que son royaume puisse avancer. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se font la guerre par rapport aux talents des uns des autres. N'encourage pas celui qui a un talent d'aller travailler, de celui qui a une grâce de travailler. Mais on veut s'accaparer les dons et les talents des uns des autres. Assujettir les uns des autres par rapport aux talents qu'ils ont reçus. Vous voyez, frères et sœurs, et afin que chacun se suive les uns les autres partout ensemble, mes amis, mais ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Ce n'est pas ça que la parole nous enseigne, frères et sœurs. Vous voyez, quand le feu est descendu dans la chambre haute, frères, le feu est descendu sur chacun d'eux. Et chacun d'eux a compris qu'il fallait parler, mes amis. Quand le feu vient sur le peuple du Seigneur, le peuple parle. Le peuple est incontrôlable. Le peuple est enflammé. Le peuple, frères et sœurs, est entre les mains du Seigneur. Et c'est des villes touchées. C'est des pays touchés. C'est des nations qui sont touchées. Des familles qui sont touchées. Frères, je vous dis la vérité. Des délivrances, des guérisons. C'est la gloire du Seigneur qui se répand quand le peuple saisit la parole du Seigneur, mes amis. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, ce message est pour que tu te responsabilises. Que tu saisisses l'évangile du Seigneur. Que chacun nous puissions saisir la parole du Seigneur. Parce que les âmes appartiennent à Yeshua. Toi qui écoutes ce message, tu n'es pas ma propriété. Tu es l'âme du Seigneur. Tu appartiens à Yeshua de Nazareth. Vous comprenez? Voilà pourquoi ce soir, nous devons saisir notre héritage. Notre héritage, c'est quoi? Ben, c'est l'évangile. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort et ressuscité. Nous avons le testament de Yeshua, mes amis, entre nos mains. Donc, tu as la capacité de prier, frères et sœurs, de déclarer des paroles, d'invoquer le Seigneur, de marcher avec le Seigneur, d'adorer le Seigneur, de communier avec tes frères et sœurs qui craignent le Seigneur. Si tu ne vois pas la crainte du Seigneur dans des communions chrétiennes, frère, tu dois
Suivre le Seigneur, mes amis. Quand il n'y a pas le Seigneur, quand il n'y a pas la vérité, frères et sœurs, il faut suivre le Seigneur. Vous comprenez? Ne pas prendre le risque de se mélanger, de se compromettre, au risque de rester seul, au risque d'être aimé de tous, frères et sœurs. Non. Vous comprenez? Suivre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Wow, il y a une présence, c'est une présence du Seigneur là, c'est magnifique mes amis. Je crois que le Seigneur nous réveille, il est en train de bousculer des hommes, des femmes, il est en train d'enflammer des hommes et des femmes, frères et sœurs, ce soir. Je crois qu'il est en train de te réveiller, de briser des chaînes, de te faire réaliser que tu dois te responsabiliser au nom de Yeshua de Nazareth. Tu vas parler du Seigneur, prendre position pour la vérité, position pour la lumière, la parole pure, véritable, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Tu vas devenir un chef dans ton foyer, un chef pour ta femme, au nom de Yeshua, un chef dans ta maison, un chef qui va se lever pour entreprendre, qui va comprendre que être chrétien, ce n'est pas que, penser qu'à aller à l'église. L'église, non, ce n'est pas ça. Chez toi, à la maison, tu peux chercher le Seigneur. Chez toi, à la maison, tu peux prier le Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur veut nous donner dans cette génération, dans ce temps que nous sommes. Parce qu'un temps viendra où les églises seront fermées. Vos bâtiments seront fermés, mes amis. Fermés s'il n'y a pas de compromission. On va vous dicter quoi prêcher, quoi parler. Vous voyez? Si tu ne t'es pas habitué à être dans l'intimité avec le Seigneur, comment tu vas résister, mon ami? Comment tu vas résister? Comment tu vas tenir ferme? Corona est un exemple. Corona est venu. Corona était un exemple. Corona est venu pour nous apprendre à être dans l'intimité, frère. Tout était fermé. Toutes les églises étaient fermées, mes amis. C'était pour nous apprendre à devenir aussi responsables. Alléluia, Seigneur. Vous voyez? Le Seigneur a permis ça, en fait, pour que son peuple, pour que nous, enfants du Seigneur, nous puissions nous responsabiliser, à savoir à écouter sa voix. Vous voyez, frères et sœurs? Et on a vu pendant le corona, malheureusement, beaucoup de chrétiens sont tombés dans le péché, frères et sœurs. Beaucoup sont retournés dans le monde, frères et sœurs. Et ça fait mal. Et on voit par là que, en fait, beaucoup de chrétiens avaient fait... En fait, je vous dis la vérité. Beaucoup de chrétiens étaient là, en vérité, dans les assemblées, dans les églises. En fait, c'était comme un mouvement pour eux, comme un mouvement. Mais il n'y avait pas eu de rencontre personnelle avec le Seigneur qui va nous aider à tenir ferme dans des temps difficiles, ferme quand il y aura des pressions, ils vont tenir ferme parce qu'ils ont été enracinés dans le Seigneur. Voilà pourquoi la parole dit aussi qu'une maison qui est bâtie sur le sable, quand le vent, les tempêtes, les tonnerres, les tempêtes sont venues, la maison a été balayée parce qu'elle a été bâtie sur le sable. Voyez? Et celle qui était bâtie sur le roc, les tempêtes, les torrents sont venus, elle n'a pas été balayée. En fait, c'est cette image-là. Et on voit aujourd'hui que beaucoup de chrétiens, leur vie est bâtie sur le sable. Le sable, mes amis. Voilà pourquoi qu'il y a moins de tempêtes, moins de tonnerres, moins de je ne sais pas quoi. Ils vont être balayés parce que leur vie a été bâtie sur le sable. Et si toi, chrétien, tu ne te responsabilises pas, tu ne cherches pas le Seigneur, tu ne t'enracines pas avec le Seigneur, je te dis la vérité. Je te dis, on verra, en fait, tu vas être balayé. Tu seras balayé parce que ta vie n'est pas bâtie sur le Seigneur. Ta vie est bâtie sur les hommes. Ta vie est bâtie sur ton dirigeant. Ta vie est bâtie sur ton église. Voyez? Voilà pourquoi beaucoup, mes amis, sont balayés dans les fausses doctrines, les enseignements bizarres. Voyez, ils vont dans les églises où il y a... On voit aujourd'hui, les gens courent dans les églises, frère, c'est le chaos, mes amis. Un chrétien ne doit pas courir après une église. Un chrétien ne doit pas courir après des collaborations avec des gens ici et là. Un chrétien doit courir après le Seigneur, à savoir qu'est-ce que le Seigneur attend pour ta vie. Qu'est-ce qu'il veut faire avec toi? Oui, frère et sœur. C'est le chaos, frère et sœur. Je vous dis la vérité, c'est le chaos. Donc pendant Corona, c'est là que le Seigneur voulait parler à son peuple, voulait parler à beaucoup de ses enfants. Combien ont saisi? Je vous dis la vérité, très peu ont saisi. Très peu ont saisi. La preuve, Corona est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Une majorité de chrétiens, ils ont fait quoi? Ils sont repartis s'asseoir dans les églises. Vous me direz, non, il ne faut pas quitter son assemblée, comme dit la parole. On parle de communion. La communion fraternelle. L'église qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas l'église qu'on voit dans les Écritures. Ce n'est pas cette église-là, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. L'église qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas l'église que Pierre, Paul, les apôtres ont prêché. Ont vécu, c'est pas cette église là, c'est une autre église qu'on voit aujourd'hui, mes amis. C'est un autre système que nous voyons aujourd'hui qui prend de l'ampleur aujourd'hui, mes frères et sœurs, dans le milieu chrétien.
voyez, frères et sœurs, Corona est venu, où étaient les chrétiens? On était où, frères et sœurs? Après, je vais tout finir. Dans ces temps-là, le Seigneur voulait nous responsabiliser à avoir la foi en lui, mes amis. Vous voyez? Il voulait simplement nous responsabiliser, voilà, pour qu'on puisse, voilà, être avec lui, parce que ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons avec lui. C'est son plus grand désir, c'est que nous soyons avec lui. Alléluia. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut le plus, frères et sœurs, c'est que nous soyons avec lui. Et il dit dans Apocalypse 3, verset 20, Apocalypse 3, verset 20, on va le prendre rapidement. Alors, Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Vous voyez? Donc, il est en train de frapper à notre porte. Il frappe depuis des années à nos portes. Il frappe dans les cœurs de beaucoup de chrétiens qui sont dans les bâtiments d'église, qui sont fermés là-dedans, frères et sœurs, depuis des siècles, depuis des années. Il frappe à la porte de leur cœur, à la porte de nos cœurs. Il frappe. Pourquoi? Pour entrer, mes amis. Pour nous faire découvrir son amour, découvrir son espérance, découvrir l'espérance qui s'attache à son nom. Alléluia. Oui, frères et sœurs. Il frappe. Mais comme tu es centré sur ton église, centré sur, sur les tâches domestiques de l'église, voilà, tu n'entends pas qu'il frappe. Pourtant, il frappe. Comment? Avec sa parole, frères et sœurs. Voyez, sa parole. Si quelqu'un entend ma voix, voyez, si quelqu'un entend ma voix, beaucoup n'entendent pas sa voix. Voilà pourquoi on voit pendant le corona qui s'est passé, beaucoup de chrétiens, ils ont fait quoi? Ils ont abandonné le Seigneur, ils sont repartis dans le péché, repartis dans le monde. D'autres ont attendu que le vent passe pour de nouveau retourner se fermer dans le bâtiment d'église, mes amis. Voyez, frères et sœurs. Voyez, ils sont retournés se cacher, se retourner se complaire, retourner aux tâches domestiques du bâtiment d'église. Pourtant, le bâtiment était fermé pendant Corona. Donc, on voit bien par là que ça ne vient pas du Seigneur, de se fermer pendant des années dans un bâtiment. Parce que si ça venait du Seigneur, ça ne peut pas se fermer, en fait, en vérité. Mais l'église que nous sommes, nous, individus, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, et nous venons du Seigneur, non? Donc, qui peut nous fermer, frère? Qui peut fermer notre bouche? Qui peut fermer l'église de Yeshua? L'église, ce n'est pas le bâtiment. Parce que la Bible dit quoi? Non, on va prendre un autre passage. Merci Seigneur. Attends, on finit d'abord celui-là. Non, c'est l'évangile est terrible, frère et soeur. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, lui avec moi. Vous voyez? Donc, en fait, il veut souper avec toi. Voilà ce qu'il veut. Voilà pourquoi il a permis Corona. C'était pour souper avec nous. Parce qu'il voit que son église soupe dans l'église, soupe avec les hommes, soupe ici et là, mais ne soupe pas avec le Seigneur, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs, il est temps que nous soupons avec le roi. Voici le message de l'évangile. Vous voyez, frères et sœurs, voici l'évangile. Je reprécise par rapport à ce que j'ai dit, je ne dis pas que le fait de faire un programme, le fait de se réunir dans un bâtiment, ce n'est pas du Seigneur. Je rectifie pour ne pas que ce soit mal compris. Voilà. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le Seigneur ne nous appelle pas en fait à... Ce n'est pas ça l'appel du Seigneur de se fermer toute notre vie dans l'église, dans un bâtiment qu'on appelle église. Vous voyez, parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment, c'est nous l'église. C'est nous les individus. Et le Seigneur ne nous appelle pas en fait à chercher un bâtiment où il faut aller papillonner de bâtiment en bâtiment. Ce n'est pas ça l'appel du chrétien en fait. Vous voyez, l'appel du chrétien, c'est de souper avec le Seigneur, voilà, de communier avec les frères et sœurs et de répondre aussi à la mission pour laquelle le Seigneur t'a sauvé. Tu vois? T'as une mission à accomplir, ben c'est le moment de se responsabiliser. Voyez, le monde dit bonne année, ben nous, on doit, cette nouvelle année, ben se responsabiliser, chercher à savoir qu'est-ce que le Seigneur attend de nous pour pouvoir se responsabiliser, frères et sœurs. Donc voilà, soyons responsables, responsables, et c'est ce qu'il attend de nous, le Seigneur. Et tout à l'heure, j'ai parlé aussi des ministères, non pas la parole, Éphésiens 4, c'est vrai qu'on ne les voit plus. Voilà, c'est comme si ces ministères ont disparu, alors que le Seigneur n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc en fait, le Seigneur, ben, il n'a pas changé. Il travaille toujours. Il appelle toujours des hommes à être prophètes, évangélistes, docteurs, apôtres, pasteurs, diacres. Voilà, il y en a qui va l'utiliser encore pour guérir,
pour secourir, pour en fait chacun positionné dans la grâce et l'appel qu'il a reçu, dans le talent qu'il a reçu. Et voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur nous demande de nous responsabiliser, de devenir des chrétiens responsables avec sa parole. Parce qu'il nous a laissé l'héritage. Que faisons-nous avec cet héritage? On peut crier Amen, 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 mais est-ce qu'on réalise, est-ce qu'on saisit vraiment les choses? Est-ce qu'on saisit en fait que nous devons devenir responsables? Le Seigneur va venir chercher des chrétiens qui ont saisi sa parole, frères et sœurs, qui ont saisi qu'il fallait qu'ils vivent sa parole. Le plus important dans notre génération, en tant que chrétien, frère et sœur, en tant que converti, c'est de vivre la parole du Seigneur, c'est de vivre le message de l'Évangile. Ce n'est pas de l'écouter seulement, c'est de la vivre, mes amis. Vous voyez, frère et sœur? Parce que le Seigneur ne nous appelle pas à être des auditeurs et qui oublient. Il faut écouter la parole et la mettre en pratique, écouter la parole et la vivre. Voilà ce qu'il veut de nous, frères et sœurs. Ce n'est pas que nous soyons là, frères et sœurs, qu'on écoute ces paroles, ces messages que le Seigneur nous donne à l'Église, parce que je ne suis pas le seul qui prêche, c'est l'Église. Voilà, vous voyez. Et voilà pourquoi le Seigneur me permet beaucoup aussi, de là où on peut aller prêcher, là où on peut rencontrer des frères et sœurs, de les envoyer, de les inciter en fait à écouter la voix du Seigneur pour qu'ils puissent travailler. Vous voyez, frères et sœurs. Moi, ma prière, c'est que les chrétiens travaillent, que les chrétiens puissent saisir qu'ils ont des dons et des talents. Vous voyez, frères et sœurs, parce que les dons et les talents que tu as reçus vont aussi m'encourager, vont aussi m'édifier, vont aussi me fortifier. Parce que je suis aussi une âme du Seigneur qui a besoin aussi de la parole, qui a besoin aussi de la grâce des uns et des autres. C'est ça être chrétien. Vous voyez, frères et sœurs, et voilà pourquoi vous voyez aussi que nous poussons, nous vous encourageons, même dans les programmes qu'on peut faire, etc. C'est pour que vous réalisiez en fait qui vous êtes, qui nous sommes, que chacun puisse se responsabiliser. Vous voyez, frères et sœurs, si on, d'ailleurs, nous autres, on doit se responsabiliser de manière individuelle, mais les frères et sœurs aussi, nous devons mutuellement nous pousser chacun à aller vers le Seigneur, frères et sœurs, à travailler pour le royaume. Vous voyez, frères et sœurs, et ne pas contrôler l'œuvre des frères et sœurs, l'œuvre de l'autre. On doit chacun travailler par rapport à la grâce qu'on a reçue, mes amis. Alléluia. Donc voilà. Que le Seigneur soit glorifié, soyez bénis, frères et sœurs. Que le Seigneur soit béni. S'il y a des questions, n'hésitez pas. On va laisser passer quelques secondes sur le chat pour vous laisser la parole. Et s'il y a des baptêmes, voilà, vous pouvez aussi le dire sur le chat ou soit nous contacter par mail. contact@evdn.org. Voilà, contact@evdn.org. Si vous voulez vous faire baptiser, et confesser vos péchés, etc., ben, n'hésitez pas aussi, vous pouvez le faire aussi via les frères et sœurs, voilà, ou soit si vous voulez exposer certaines choses, ben, vous pouvez nous envoyer un mail aussi si vous voulez, sur contact@evdn.org. voilà, si vous avez besoin de la prière, exposer des choses qui sont que vous vivez actuellement, et si vous avez besoin de la prière, un soutien, n'hésitez pas, on va mettre ces sujets dans la prière. Que le Seigneur soit béni. Donc voilà. Donc frères et sœurs, priez pour nous, priez pour moi, prions les uns pour les autres, et que le Seigneur vous bénisse, nous remplisse encore et nous aide en fait à faire sa volonté au nom de Yeshua de Nazareth. À bientôt.